qui ronge notre pays, le Togo. Et ensuite, je vais parler de la situation politique de M. Faure Gnassingbé. J'aimerais ouvrir les yeux de mes concitoyens sur deux personnes qui sont extrêmement dangereuses dans l'arène politique de notre pays, le Togo. Ces personnes sont le professeur Aimé Gogué et le professeur Kwame Wolu. Aux élections passées, M. Kwame Wolu n'a jamais dépassé 0,5% du suffrage exprimé. Mais à chaque fois qu'il y a élection, lui aussi veut se présenter. Donc les quelques miettes de voix qu'il a, au lieu de l'ajouter aux autres candidats de l'opposition, il préfère les leur retrancher, donnant ainsi une marge aux dictateurs qui assassinent notre peuple. La deuxième personne, c'est le professeur Aimé Gogué. La popularité du professeur Aimé Gogué ne dépasse pas son village natal. Et pourtant, à chaque élection, il se présente toujours. Or, la caution était fixée à 20 millions de francs CFA. Et si tu as moins de 5%, tu ne verras plus jamais tes 20 millions de francs CFA. Or, le professeur Aimé Gogué n'a jamais dépassé, n'a jamais eu 2%. Donc, Aimé Gogué va me dire qu'à chaque élection, il donne 20 millions gratuitement à l'État togolais. Or, dans le Tône, les gens n'ont pas de l'eau à boire. Pourquoi Aimé Gogué, s'il a jamais aimé le peuple Moba, s'il a jamais aimé le peuple togolais, pourquoi il ne prend pas ces 20 millions-là qu'il donne à Faure Gnassingbé chaque 5 années? Pourquoi il ne prend pas cet argent pour faire du forage et donner de l'eau potable aux gens à boire? Souvenez-vous que lors de la C14, Aimé Gogué, le professeur Kwame Wolu était parmi l'opposition, était parmi les opposants qui ont formé la C14. Ils ont demandé au peuple togolais de sortir massivement pour marcher. Certains Togolais ont perdu leur vie. D'autres ont perdu des membres de leur corps. Certains sont encore en prison jusqu'à ce jour. Les 20 millions que le professeur Kwame Wolu et le professeur Aimé Gogué ont dépensé, ça fait 40 millions pour aller à l'élection de 2020. S'ils prenaient ces 40 millions-là, est-ce qu'ils ne pouvaient pas donner à manger aux prisonniers? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire soigner ceux qui ont été blessés dans les marches? Citoyens togolais, on a toujours parlé de Jean-Pierre Fabre. Mais vous avez oublié que le professeur Kwame Wolu et le professeur Aimé Gogué sont plus néfastes et sont plus dangereux pour le Togo que Jean-Pierre Fabre l'est. Donc, en conclusion, ces deux professeurs, en prenant des décisions politiques, n'ont jamais pensé au peuple togolais. Ils n'ont toujours pensé qu'à leur ventre. Et dans ce cas, ces gens ne méritent pas le vote d'un seul Togolais. Et je vous le dis, la prochaine fois que le Hadi du professeur Gogué et le PSR du Kwame Wolu vont se présenter aux élections, que personne ne vote pour ces deux gars. Parce que c'est des bandits politiques. Ils n'ont jamais pensé à vous. Ne perdez pas votre vote en leur accordant votre suffrage. Jamais, 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 jamais. Donc, le professeur Kwame Wolu et le professeur Aimé Gogué, à chaque fois qu'ils prennent des décisions politiques, ils n'ont toujours pensé qu'à leur ventre. Donc, désormais, pour voter pour eux,
seuls leurs femmes et leurs enfants doivent voter pour eux. Sinon, aucun autre citoyen togolais. Je vous le dis aujourd'hui, les professeurs Kwame Wolu et le professeur Aimé Gogué ne méritent pas le vote d'un seul Togolais. Parce qu'ils n'ont jamais pensé à notre peuple. Imaginez-vous que Aimé Gogué faisait partie de la DMK. Tout comme Gamesu Podar. Mais quand on a choisi Agbeyome Kodjo, Gamesu Podar, qui a déjà investi des millions dans la campagne, s'est retracté pour soutenir Agbeyome Kodjo, puisque c'est lui qui a été choisi. Aimé Gogué, ayant vu que le choix n'est pas tombé sur lui, s'est retiré de la dynamique pour aller se présenter lui-même à l'élection présidentielle. Ça s'appelle une traîtrise. C'est les traîtres qui se comportent de cette manière. Et donc, quelqu'un qui est traître ne mérite pas le vote de nos concitoyens. Plus qu'aucun Togolais ne vote pour Kwame Wolu ou bien pour Aimé Gogué. J'ai fini comme ça. Maintenant, je reviens à l'assassin, à l'usurpateur, au voleur Fort Nyasingbe, Fort Eyadema, de son vrai nom. Parce que Nyasingbe, Étienne Eyadema, n'a jamais été un Nyasingbe. C'est un Tchadien. Il faut le voir dans le livre. Il s'appelait Étienne comme prénom et Eyadema comme nom de famille. Donc Eyadema, Étienne Eyadema n'est pas togolais. Son fiston Fort Eyadema, le dictateur qui a tué et qui tue nos concitoyens, qui tue nos militaires, qui tue nos policiers, qui tue nos gendarmes. C'est de lui que je vais parler maintenant. Avez-vous écouté l'interview du député français Sébastien Nadeau hier sur Tempo TV Africa? Le député Nadeau a écrit à l'Élysée et à l'Assemblée nationale. Maintenant, il est en train de rassembler beaucoup plus de députés autour de lui pour voir dans l'affaire du 22 février 2020. Donc, en grosso modo, M. Fort Nyasingbe est en train de courir dans un sac. La pâte qu'il a mise dans la bouche, elle est trop chaude. Il n'arrivera jamais à l'avaler. Fort Nyasingbe n'est pas dans son quatrième mandat. Il nous a perdu une année pour rien. Mais il va quitter le pouvoir. Donc, M. Sébastien Nadeau est en train d'organiser le Parlement français pour que certains articles de l'accord de Cotonou soient appliqués. Ça veut dire que soit M. Fort Nyasingbe quitte le pouvoir et Agbeyome est prêt à lui offrir des garanties. Lui et tous ceux qui ont commis des crimes au Togo, soit il veut faire la tête et le monde va lui tomber sur la tête. Monsieur Sébastien Nadeau, député à l'Assemblée nationale française, a dit hier dans son interview sur Tempo TV Africa qu'il est en train d'organiser d'autres députés pour voir dans l'affaire. Pour voir clair dans l'affaire du 22 février 2020. Ensuite, RFI avait dit que Emmanuel Macron a félicité Fort Nyasingbe. Or, la lettre de félicitation est un fake. Donc,
Le député français Sébastien Nadeau a demandé à RFI d'aller revérifier sa source. Et si la source s'avère être fausse, RFI est obligé par le droit de démentir ce qu'il avait dit que Faure avait gagné. Je prends dans la DMK, nous avons décidé de faire une diplomatie silencieuse. Mais que mes camarades de la DMK me le pardonnent, je suis obligé de dire une chose aux citoyens togolais aujourd'hui. Vous avez vu que Sébastien Nadeau de l'Assemblée nationale française a pris l'affaire là à bras le corps. J'aimerais informer les Togolais que le Parlement allemand aussi a été saisi depuis fort longtemps. La présidence et la chancellerie de l'Allemagne ont été saisies dans cette affaire. Donc, quand les parlementaires français vont se lever, ils auront l'apport des parlementaires allemands. Le match ne vient que de commencer. Et les sorciers qui nous disent d'abandonner la victoire que notre peuple a acquise le 22 février 2020, vous serez couvert de honte toute votre vie. Vos noms iront dans les cahiers d'histoire comme des traîtres, des renégats, des gens qui ont vendu notre pays. Citoyens togolais, il y a une femme qui s'appelle Maryse Kouachi, je pense bien, enseignant aussi à l'université de Lomé, qui dit que la DMK donne une illusion aux gens. Admettons que la démarche de la DMK n'aboutisse pas. Cette femme-là, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait pour libérer le Togo? Ceux qui disent que la DMK ne fait pas bien, qu'est-ce qu'eux, ils font pour la libération de la terre que Dieu a donnée à nos aïeux? Donc, nous demander de fermer la page, c'est en d'autres mots, nous demander d'accorder 5 années à l'assassin Faure Gnassingbé, que le peuple togolais a sanctionné. Citoyens togolais, le vote ne sert pas seulement à élire une personne, mais il sert aussi à sanctionner des gens. Donc, le 22 février 2020, le peuple togolais dans sa majorité a sanctionné M. Faure Gnassingbé. On l'a dégagé démocratiquement. Sachez et croyez fermement que le seul président légitime du Togo s'appelle le docteur Agbeyome Messan Kodjo, avec un mandat de 5 ans. Après 5 ans, on fera une élection qui sera l'élection la plus transparente dans l'histoire du Togo. Et celui qui gagnera sera le prochain président. Donc l'histoire de la dictature, de la criminalité politique au Togo, appartiennent désormais au passé. Citoyens togolais, les sciences politiques disent que le changement de la dictature à la démocratie est le résultat des efforts, aussi bien sur le plan national
qu'international. J'aimerais rassurer les Togolais aujourd'hui que la dynamique, Monseigneur Kodjo, a fait son travail sur le plan international. Cette dynamique continue de faire son travail, sa part, sur le plan international. Maintenant, il appartient aux citoyens togolais qui résident sur la terre de nos aïeux de faire leur part. Quand on ajoute notre part à la leur, le régime EPT-Uni sera dégagé. Au Togo, nous avons l'habitude de commettre une erreur. L'erreur là consiste à attendre que les autres fassent pour que tout le monde en profite. Comme je l'ai dit dans un groupe WhatsApp l'autre jour, attendre qu'une seule personne libère le pays pour que toute la population, pour que tout le monde en profite, en sociologie allemande, on appelle ça Trittbrettfahrer mentalité. C'est-à-dire c'est la mentalité de profiteur. Ça conduit toujours au chaos. Il suffit de lire The Tragedy of the Commons. C'est-à-dire que dans un village, il y a une prairie. Donc la prairie appartient au village. Mais chacun avait son bétail. Tout le monde amenait son bétail pour les paître là-bas. Et donc, personne ne pensait à la longévité de la prairie. Mais tout le monde, chaque berger pensait toujours à faire paître son bétail. À la fin, la prairie a été détruite. Donc, se basant sur cela, Garrett Hardin a démontré que le bien commun doit être protégé par chaque individu. Dans le cas contraire, cela disparaît. Donc, il ne faut pas attendre que Tikpi Asadam seul vienne libérer le Togo. Il ne faut pas attendre que Agbeyome Kodjo seul vienne libérer le Togo. Aussi longtemps que Dieu me prête la vie, chaque jour que je me réveille, je me demande qu'est-ce que je peux encore faire pour que mon pays soit libéré, afin que chacun vive dans la plénitude. Je ne demande pas à Agbeyome de me dire ce que je dois faire, mais moi-même, Dieu m'a doté d'un peu d'intelligence. Avec le peu d'intelligence que j'ai, je réfléchis et j'agis. En saisissant le Parlement allemand, je n'ai pas demandé l'avis du président Agbeyome Kodjo. Ce n'est pas lui qui m'a demandé de le faire, mais je l'ai fait pour mon pays, le Togo. Et donc, ceux qui sont en stand-by et qui attendent que la dynamique libère le Togo, j'aimerais vous réveiller ce matin. Chaque Togolais doit faire sa part. Nous tous, nous voulons un Togo libre. Et je vous le promets, je vous le dis, le Togo, notre pays, a les moyens pour nourrir tous ses fils. Nous avons les moyens pour construire des autoroutes de Djankassé jusqu'à Sinkassé. Nous avons les moyens pour construire des chemins de fer modernes d'Aného jusqu'à Sinkassé. Nous avons les moyens pour construire des hôpitaux modernes au Togo. Nous avons des moyens pour mettre le pavé sur toutes les rues des villes et villages de notre pays, le Togo. Nous avons les moyens
pour construire la canalisation dans nos villes et villages. Notre pays, le Togo, a les moyens pour offrir une aide sociale à tous ceux qui n'ont pas de boulot. Notre pays, le Togo, a les moyens pour créer des écoles de formation, pour occuper la jeunesse. Le monde du 21e siècle est différent du monde du siècle passé. Si la Chine est devenue riche aujourd'hui, c'est parce qu'elle a su former ses habitants. Ainsi, les industries de l'Occident ont été délocalisées en Chine. Par cela, beaucoup de Chinois ont eu accès au boulot. Et la transformation de la société chinoise est devenue réalité. Donc, aucune industrie ne viendra s'installer dans un pays où les habitants ne sont pas qualifiés, n'ont pas appris les métiers dont la compagnie a besoin. Et donc, comme je vous le dis, avec les ressources de notre pays, le Togo, le gouvernement du président Akpabio Mokojo va construire des écoles de formation afin que notre jeunesse soit formée dans les métiers, dans divers métiers dont on a besoin pour développer un pays. Le gouvernement d'Akpabio Mokojo fera une assurance maladie de telle sorte que chaque Togolais qui tombe malade puisse être traité dignement. Le gouvernement du docteur Akpabio Mokojo offrira à nos policiers, à nos gendarmes et à nos militaires des prêts sans intérêt afin que chacun d'entre eux puisse construire un chez-soi, un domicile digne. Il suffit de créer une compagnie d'État qui construit des habitations à loyer modéré et on offre à chaque militaire, à chaque gendarme, à chaque policier une habitation et on peut prélever le coût de cela sur son salaire petit à petit afin qu'il ne sente pas. Cela est possible. Cela est réalisable. Akpabio Mokojo, c'est un bosseur. Et son gouvernement, c'est un gouvernement de bosseurs, des gens qui travaillent pour le Togo. Comme je vous le dis, si je devais penser à moi-même, je n'aurais pas besoin de parler du Togo, de la politique du Togo. Vous me voyez comme ça? Je suis en train d'aller au boulot chaque matin pour porter mon portefeuille. Donc ce que je fais quand je reviens à la maison le soir, cela me permet d'avoir de quoi me nourrir et me vêtir, d'avoir un logement décent, d'avoir un moyen de locomotion. Mais je sais que de là où je viens, les gens n'ont pas à manger. Les gens n'ont pas les moyens de se soigner. Je vous assure qu'en 2020, j'étais allé dans le scanner, ça fait au moins 2 à 3 fois. 2 à 3 fois, j'ai été dans le scanner. Je n'ai pas payé 1 centime. Oh, je ne suis pas allemand, je suis togolais. Parce qu'on a construit un système de santé dans ce pays. Et ceux qui aiment se moquer de Dieu au Togo, de la politique togolaise, c'est vraiment l'ignorance. Seul l'ignorant peut se moquer de Dieu quand on parle de politique au Togo. Parce que le système social en Allemagne a été créé en se basant sur un principe biblique. C'est dans la Bible que les Allemands ont vu le principe
qu'ils ont pris pour créer le système social qui fait que ce pays fonctionne. Donc que personne ne vienne me dire que Kodjo n'a rien à faire dans la politique. Et ceux qui disent, ceux qui font ce genre d'affirmation, ils oublient que Kodjo était l'un des organisateurs de la conférence nationale. Et son cabinet, dans son cabinet, il y avait des gens qui aujourd'hui l'insultent. Que Dieu ait pitié des gens au Togo. L'ignorance a été semée à dessein dans notre pays, le Togo. L'ignorance a été entretenue aussi bien par l'opposition que par le régime de notre pays. Sinon, les sciences politiques sont claires là-dessus. La défection, c'est un des coups les plus solides qu'on peut porter à un régime autoritaire, à un régime autocratique. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille pour le régime MPT Uni, par exemple, et que la personne arrive à un moment où il voit la lumière, la personne voit la lumière, elle voit la lumière, elle se retire de ce régime. C'est un coup extrêmement sévère qui est ainsi porté à ce régime. Donc, si notre opposition était habitée par des gens intelligents, ils devaient former le peuple à applaudir et à accueillir à bras ouverts toute personne qui fait défection au régime MPT Uni. Malheureusement, on a appris aux Togolais à se moquer de ceux qui se retirent de ce régime. Ainsi, il y a actuellement des centaines de Togolais qui servent ce régime et qui aimeraient bien ne plus le faire, qui aimeraient bien désormais se mettre au service du pays. Mais ils savent qu'en se retirant de ce régime, de l'autre côté, ils auront la foudre. Et du côté du peuple, ils auront des railleries. Il y a une organisation qui s'appelle Inter Togo, qui va faire une conférence Zoom avec des professeurs à Boki et un autre professeur du Canada, togolais vivant au Canada. Et moi aussi, j'ai eu la faveur d'être aux côtés de ces grands enseignants pour parler. Chacun parlera de son côté. Il y a un côté sociologique, il y a un côté citoyen, et moi je m'occuperai du côté politique. Donc, ce sera fait le 28 février, le 28 de ce mois, sur Zoom. Allez sur Facebook, vous allez voir le lien et préparez-vous. Je serai là pour donner encore un peu de lumière à mes concitoyens togolais. Citoyens togolais, croyez en vous. Le mur de Berlin qui séparait l'Allemagne et qui signifiait la misère du peuple allemand, la dictature de ce pays, ce mur a été détruit par les citoyens allemands. Une nuit, ils étaient des millions à se rassembler autour du mur. Ils voulaient venir de l'autre côté. Ça n'a pas été facile, mais ils l'ont fait. Aujourd'hui, l'Allemagne est redevenue un des pays les plus prospères, un des grands pays prospères sur la terre. Le pays le plus riche en Europe, le pays le plus puissant en Europe, c'est l'Allemagne. Parce que ses citoyens ont pris le risque d'affronter le régime autoritaire de ce pays. Ils l'ont dégagé, ils l'ont construit. Citoyens togolais, l'heure a sonné pour libérer la terre de nos aïeux. Je parlais avec un de mes employés allemands l'autre fois sur cela, sur la destruction du mur de Berlin. Voici ce qu'il m'a dit. Normalement, la police allemande, qui s'appelait la Gestapo, qui entourait le mur, cette police tuait tout Allemand de l'Est qui essayait de passer de l'autre côté. On tirait sur eux.
Mais la nuit, dans cette nuit-là, cette nuit fatidique, il y avait des millions et des millions d'Allemands qui voulaient franchir le mur. Donc les soldats étaient devant le fait accompli. Maintenant, ils demandaient l'autorisation pour tirer sur la foule, sur le peuple. Ils ont demandé l'autorisation à leur supérieur hiérarchique, à leur supérieur. Les supérieurs ont demandé l'autorisation à leur supérieur. Des policiers jusque dans l'administration. Personne n'était prêt à donner l'autorisation pour tirer sur la foule. Parce qu'ils savent que si vous donnez une telle autorisation, et que après les choses se calment, vous serez guillotiné. Donc, puisque personne n'était prêt à donner l'autorisation pour tirer sur le peuple, les policiers qui étaient là, qui gardaient le mur, ne pouvaient rien faire contre le peuple allemand qui voulait en finir avec le mur de Berlin. Voilà comment ce mur a été détruit. Donc, policiers, gendarmes et militaires togolais, si quelqu'un te donne un ordre qui est inique, il ne faut jamais l'appliquer. Parce que votre code a été changé. Si tu l'appliques, demain c'est toi qui seras devant les juridictions nationales et internationales. Il ne faut pas oublier. Il y a un dossier ou bien deux dossiers qui ont été déposés contre les policiers, les gendarmes et les militaires togolais qui ont commis des crimes au Togo à la Cour pénale internationale. Ne vous y trompez pas. Un jour ou l'autre, ce problème va ressortir. Les nazis qui ont commis des crimes de guerre, aujourd'hui, 50 ans après, ils sont encore traqués. Partout où ils sont, même depuis les États-Unis, on les amène à la justice. Donc, arrêtez de faire du mal aux citoyens togolais pour plaire à l'assassin M. Fodja Singbe. Katanga en a fait. Il est allé jusqu'à tirer sur un jeune garçon de 13 ans pour que Fodja Singbe garde le pouvoir. Aujourd'hui, où se trouve le général Katanga? Où est-il actuellement? Il se trouve où? Citoyens togolais, apprenons de notre passé. L'heure a sonné pour en finir avec la pagaille. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse la terre qu'il a donnée à nos aïeux. Je vous remercie.